Le Japon a renoué avec la croissance au premier trimestre. Son produit intérieur brut a progressé de 0,4% par rapport au trimestre précédent, de 1,7% en rythme annualisé. La croissance a été tirée par la consommation des ménages en hausse de 0,5% grâce à l'année bissextile, le 29 février ayant été un jour de shopping supplémentaire. La consommation privée rebondit, mais plutôt lentement, a commenté le secrétaire général du gouvernement. Au trimestre précédent, elle avait reculé de près d'1%. Grande ombre au tableau, les investissements des entreprises ont fléchi, dissuadés par la hausse du yen et la faiblesse de la demande en Asie. Selon les experts, ces données pourraient inciter le Premier ministre Shinzo Abe à reporter une hausse de 8 à 10% de la TVA pour éviter de fragiliser la consommation, moteur du PIB nippon. La hausse précédente en 2014 avait en effet plongé l'économie en récession.